c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Happy birthday, Junior! Happy birthday! Yes, sir! Ouais. Oh, ok, calme-toi là! Calme-toi! Let's go! Tu sais que c'est ma fête là, calme-toi! C'est la fête de Junior aujourd'hui, les gars! Donc, les gars, c'est ma fête aujourd'hui. Ouais, vous l'avez compris là, Bijou qui a commencé à chanter là. Happy birthday et tout. Aujourd'hui, ce que Junior va faire, on va aller dans les magasins et demander des trucs gratuits pour son anniversaire. Bijou, on va voir si ça marche vraiment. Ouais, Bijou, comment ça, si ça marche vraiment? Ça marche pas? Mais je sais pas! J'ai vu ça sur TikTok. Tu m'as dit que un de tes amis, à son anniversaire, il est allé au Starbucks, il a eu de la bouffe gratuite. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai ou pas? Là, maintenant, tu dis, on va voir si ça marche. Mais c'est ça, on va voir si ça marche. T'es sûr que ça marche? Ou bien t'es pas sûr que ça marche? Bref, on va voir. Non, on va voir. Donc là, les gars, j'ai noté à peu près 3 magasins où on va aller pour voir si je pourrais gratter de la bouffe gratuitement pour mon anniversaire. Tu vois, c'est ma fête, quoi. Tu vois, je suis né! Ouais! Je me rappelle que c'était dans le ventre, beau. Okay, je me rappelle. Bref. Donc là, on va aller dans 3 magasins. Le premier sera Dairy Queen. Dairy Queen, c'est un endroit où on peut acheter de la crème glacée, des sorbets, tout ce qui est. On se dit ça, on va aller dans un autre magasin. Et puis, c'est ça quoi. Donc là, les gars, restez jusqu'à la fin avec nous. Si vous voulez voir, je ne vais pas vous spoiler les 2 autres magasins parce que je veux que vous restez. Et puis le soir, on va aller manger dans un restaurant. Soit un restaurant, soit un buffet à volonté. Comme l'année passée là. Parce que l'année passée, j'avais fait une vidéo aussi où j'étais avec Bijou et Trésor pour mon anniversaire. Et puis, on est allé dans un buffet à volonté. Donc cette année, on pourrait faire pareil encore. Mais c'est pas comme si on fait la même routine, genre buffet à volonté, buffet à volonté. Mais c'est nice, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est un buffet, bro. Il y a la bouffe illimitée. C'est ça. Et puis, est-ce que tu penses que dans le buffet, la bouffe change? Tu penses qu'il pourrait avoir des nouvelles bouffes? Ouais, des fois, il y a des nouvelles bouffes. L'année passée, par exemple, ils avaient rajouté des burgers. Avant, il n'y avait pas. C'est ça. Donc là, on pourrait aller maintenant. Ils pourraient encore avoir des nouvelles bouffes et tout. Ouais, on va manger à volonté. Donc là, je pense qu'on va aller là. Et puis, Trésor, il n'est pas là. Donc peut-être, on va aller la chercher après pour qu'elle rentre à la maison, s'habille. Après, là, on va y aller et tout. Ouais, blablabla. Et maman aussi, on voulait qu'elle vienne avec nous. Mais maman, elle est dans un restaurant. Ouais, déjà allée. Donc là, ouais, apparemment, Bijou a dit qu'elle allait dans un restaurant avec sa pote là. Elle va pas manger doublement quoi, tu vois, elle s'est déjà remplie. Là, elle va aller dans un resto à volonté encore, il se remplit encore. Elle sera même pas, tu vois, elle va aller au resto à volonté pour rien. Elle pourra même pas manger à volonté parce qu'elle a déjà mangé. Et tu vas changer ce short, beau. C'est pas une chute. Donc les gars, c'est mon anif et regardez ce que je porte, ok. Regardez mon short. Le short là, je l'ai retrouvé dans mes affaires, ok. Il était enfoui dans mes affaires là. Donc là, je me suis dit que j'allais le porter là parce que c'est quelque chose que je porte pas, que je porte presque jamais, tu vois. Tu vas le changer, jamais vous allez me voir avec ça. Et puis. Comment tu te gâtes les chevilles, bonhomme? Dès que j'ai porté ça à Bijou, il croyait que je rigolais en fait. Tu rigolais pour de vrai en plus. Donc tu veux que je change ça? Ouais. Tu vas me dire ça, c'est vilain, Bijou? C'est vraiment vilain. Les gars, écrivez dans les commentaires si c'est vilain ou pas. C'est normal. C'est vilain ça? Regarde ça! C'est quoi ce vibe? C'est pas les années 90? Regarde, années 90, genre. Non, pourquoi la caméra? Les gars, on est arrivé au Dairy Queen, regardez ça. Dairy Queen. Là, on va essayer de gratter la bouffe gratuite pour mon anniversaire. On peut avoir quelque chose ici quand c'est notre anniversaire, hein, au Dairy Queen. Comment tu dis? On peut avoir quelque chose quand c'est notre anniversaire. Un gâteau? Je sais pas, mais comme c'est mon anniversaire et puis apparemment... Gratuitement, non, on n'offre rien. Ah, vous offrez rien gratuitement? J'ai vu ça en ligne que vous offrez quelque chose quand c'est un anniversaire. Non? Ok. C'est bon, merci. Imaginez les gars, ils m'avaient offert un truc comme ça. J'étais tellement content. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Dairy Queen. Ils n'offrent rien alors qu'on a vu en ligne qu'ils offraient quelque chose. Donc, on se retrouve de l'autre côté, les gars, pour la bouffe dans le prochain magasin. Bon, les gars, le deuxième restaurant, fast food, c'est le Tim Hortons. Regardez ça. Donc, là, maintenant, on va aller là. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, parce que c'est ma fête aujourd'hui, est-ce que vous donnez de la bouffe? J'ai vu en ligne que vous donnez de la nourriture aussi. Non, moi, je peux. Pour Tim Hortons? Non, ok, c'est bon. Merci. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Fuck, bro, yo, ils m'ont fouqué, bro. Ils m'ont fouqué, bro. Tim Hortons, check. Ben, quel check, Tim Hortons? Le prochain, on est assuré qu'ils vont donner de la bouffe. Starbucks, on est assuré qu'ils vont donner de la fucking bouffe, bro. Mon anniversaire, bro. Donnez-moi quelque chose, bro. Je veux un cadeau. Ils ont dit non. Ben, le bouga dit qu'il n'est pas au courant de ça, il sait pas. Donc, c'est pas quelque chose de courant, alors, peut-être. Mais Starbucks, ça, c'est sûr, hein? Hein? S'ils ne donnent pas, qu'est-ce que tu vas me donner s'ils ne donnent pas? Non, mais ils vont donner. Hein? Ils vont donner. T'es sûr? Ouais. Ok, vas-y. Espérons avoir un petit quelque chose de leur part. Et puis les gars, je m'en fous de la bouffe gratuite. Hein. C'est pas comme si je peux pas acheter la bouffe là qu'ils vendent. Genre, je peux acheter leur bouffe là. C'est juste parce que c'est mon anniversaire que ce serait cool d'avoir de la bouffe gratuite. Pour mon anniversaire. Un petit cadeau d'un fast-food, d'un restaurant, n'importe quoi, gratuitement parce que c'est mon anniversaire. C'est pour ça que je fais ça. Regardez les gars. Short, t'as dit, c'est pas du drip ça? Regarde ça, vision. Quel drip? C'est cool, bro, yo. Toi, c'est maman qui a acheté, hein? Toi, tu t'en as des comme ça, je pense. Non, je les ai tous donnés. Mais j'espère qu'ils sont fermés, bro.
Ils sont fermés ? Comment ils sont fermés ? Comment ils sont fermés, bro ? Fermés pour la journée, putain de merde, bro. Yo, pour ma journée, ils sont fermés. Fucking, are you fucking dumb, Starbucks? Are you fucking dumb, Starbucks? On n'a pas la chance, bro. Il y a un autre Starbucks ici, les gars, mais il est à peu près 10 minutes de route d'ici. Et là, j'ai vraiment pas envie de me redéplacer. Bon, j'ai la fucking haine, bro. C'est aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, qu'il ferme. Pour la journée. Vous pouvez pas fermer demain ou après-demain? Donc les gars, voilà le Starbucks dont je vous parlais. On va les appeler tout de suite là, sans perdre de temps. Chef, okay, bon, on va appeler quand même. Prévez-vous le marché, bonjour, comment puis-je vous aider? Allô, bonjour, c'est bien le Starbucks? Le Starbucks est fermé aujourd'hui. Oh, il est fermé? Oui, à cause qu'on est obligé de faire, oui. À cause de l'ébullition d'eau, là. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de fermer aujourd'hui, encore. Oh. Fait que quand la vie va être levée, ça va être réouvert. Mais c'est sûr que ça ne sera pas en soi, là. Mais en tout cas, si demain, la vie est levée, ben c'est sûr qu'ils vont réouvrir demain. Ok, donc c'est bon, parfait, merci. Bon, fait que probablement toutes les Starbucks qui sont à Longueuil, ça doit être la même chose. Ok, parfait. Merci quand même. Ok, bye-bye. Bonne journée, ouais, bye. Comment fait, bro, vous fermez Starbucks, bro? Là, j'ai un bif avec Starbucks, bro. Y'a rien qui t'a été donné pour ta fête. Y'a rien. On va juste se retrouver, les gars, au buffet à volonté. On va aller manger là-bas. On va aller chercher le trésor à la maison après. On va descendre au buffet et on va manger là-bas jusqu'à la nuit, quoi. On va rentrer à ça. On va bien manger. On va bien manger. Les gars, on est arrivé au buffet. Je suis avec Trésor. On voit bien ou pas? Y'a trop de soleil, bijou. Je sais pas, j'ai faim. Light skin. J'ai faim. Okay, calme-toi. Ah, regarde mon... Oh. Damn. Je commence à... Plus grand. Bijou est plus grand que toi. What? Il est plus grand que toi bientôt. Regarde, déjà, je prends des slides, là. T'abuses. Plus grand. Ok, mais presque. Regarde, il reste pas beaucoup. Il reste genre ça. Bijou, est-ce que je peux garder la caméra, s'il te plaît? Non, je suis correct. Yo, c'est mon anniversaire. Je suis pas caméraman, bro. C'était pas caméraman, moi non plus, mais comme. Juste garde la caméra, Trésor, tu vas garder alors. Filme Bijou, moi. Okay. Filme-nous bien, hein. Ouais. Filme en sorte, là, s'il te plaît. Bon. Ce n'est pas filmé, Junior. Yo, c'est dit. Tu sais à quoi tu ressembles? Je vais en acheter 10. Tu ressembles au boyau des villages. Je vais en acheter. Ça, non, je vais en acheter 10. J'ai cru que c'était ton anniversaire, il allait faire un petit effort, mais. Je vais en acheter 10. Je vais aller au bas de Bijou avec ça, bro. Je m'en fous. Vous allez me voir comme ça tous les jours maintenant. Bijou, c'est ton frère, hein. Hein? C'est $20 pour moi. Yes, j'aime ça. J'aime ça de ne pas tenir la caméra, les gars. C'était mon goût. Je comprends, Bijou, maintenant. Je pense comme ça, j'ai pas de caméra à tenir, bon. Calme-le. Espèce. Passe-le. Toi, fais le tour. So, what's up, everyone? Yeah. Okay. Oups. T'as fait quoi? Hein? À ton tour, on a tous tenu la caméra, à ton tour. Pourquoi? Je suis pas dedans. Comment t'es pas dedans? Je suis pas caméraman. T'es pas caméraman, on n'est pas caméraman, juste tiens la cam, chef. Non? Zéro. Les gars, Bijou, il est vraiment fort, hein. Je te dis, Bijou, t'as pas de boisson, malgré, tu ne les aimes pas. Hein? Je n'ai pas vu, mais la fille le regardait vraiment d'une façon. Moi? Oui. Mais $20, s'il vous plaît. Vous savez qu'est-ce que Bijou a fait? La meuf aussi, elle était belle, tu vois, je pourrais rien dire. Il a mis 8% de pourboire, bro. Combien? 8% de pourboire. C'est même pas beaucoup. Normalement, c'est 15. Sois content. Ah, non, je les ai, bro. J'ai dit à Bijou, mais pourquoi j'ai l'air de faire ça? J'ai dit, Bijou, choisis ce que tu veux. Il a cliqué 8%. C'est pas grave, bro. Je peux pas dire non. Parce que ça allait gênant devant la meuf à dire. Hein? Quel $20? Je paye ma boisson avec. T'es fou, toi. T'auras pas de boisson ici. T'auras pas de boisson. Et les gars, en plus, j'ai remarqué que à chaque fois que je dis à Bijou de choisir le pourboire, là, c'est parce qu'on est devant une meuf, tu vois. Et je fais genre là. Donc là maintenant, je dis, je choisis le pourboire. Et là maintenant, lui, il vient, il met le maximum de pourboire. C'est pas grave, c'est pas grave. La dernière fois, il a fait pareil qu'on était en train de manger un déjeuner là, devant une meuf. Et il a mis, je pense, 15%. C'est pas grave. Parce que là, je fais attention à ça, c'est tout. Moi, je suis ici à attendre Bijou et Trésor qu'ils aillent se servir avant de revenir à la table. Parce que si on quitte tous les trois la table sera libre. Et là maintenant, on ne sait pas si les travailleurs ici vont croire qu'il n'y a personne ici. Donc là,
Donc là, ils vont donner notre table à quelqu'un d'autre. Donc là, on ne veut pas que ça arrive. Donc là, les deux sont partis pendant que moi j'attends ici. Là maintenant, quand ils vont revenir, ce sera mon tour d'aller chercher la bouffe. C'est ça, les gars. Like la vidéo, s'il te plaît, si t'es encore là de la vidéo, s'il te plaît. Là. Ne regarde pas ça sans liker la vidéo. Les gars, Bijou est arrivé. T'as pris quoi, Bijou? Présente-nous. Beaucoup. C'est pour ça que tu vas te remplir trop vite en prenant ça comme ça dès le début. Non, après, je fais une pause. Tu dois commencer petit à petit, puis là, maintenant, à la fin, là, tu commences gros. Ouais, toi, t'as pris quoi, Trésor? Je fais un line, ratao, riz, chips, wings, steak. Et le meilleur, c'est le meilleur. Ouais, toi, t'as abusé. Tu vas te remplir tellement vite. Les gars, à mon tour de me servir. À l'anniversaire de ce serveur, c'est moi en passant si vous savez pas, c'est mon anniversaire. Bon les gars, moi j'ai envie de commencer plus petit, ok? Commencer trop gros, c'est pas bon parce que ça te remplit trop vite. Ils ont pris trop de choses à la fois. Poulet, viande, riz, pain à l'ail, tout. C'est pas une bonne idée de commencer comme ça, faut commencer petit. Ça, pizza au, je ne sais pas quoi, mais bon. On va prendre ça. Ça c'est une pizza au... Ça c'est au quoi? Je sais pas, je vais laisser ça comme ça. Donc une pizza les gars, ensuite de ça, on va prendre un peu de frites. Il n'y a même plus de frites, bon, ça sert à rien d'en prendre. Il n'y a plus rien. Il y a quoi ici? Oh shit. On va prendre un peu de riz. Les gars, ça je sais pas c'est quoi, mais bon, on va en prendre quand même. Un petit peu. C'est bon. En voyant toutes ces bouffes-là et en la touchant, je salive. Comme là, j'ai envie de tout manger là d'un coup. Là. Je suis en train de saliver là. Genre. Ça, il n'y en a même plus beaucoup. Un peu de viande. Ouais, ça c'est quoi ça? Je pense que ça c'est nouveau les gars, j'ai jamais vu ça ici. Pas des légumes, ça va être bon ça. Si on prend des légumes. On va prendre un. Et après? Là, je vais prendre des rondelles d'oignon. Voilà. Donc là les gars, je pense qu'on est paré pour bien manger. First round. Première bouffe que je mange pour mes 21 ans. Yo bisous. Mon pantalon va tomber, bro. Regarde-le. Il va tomber, bro. Yo. Ça flotte tellement. Oh, c'est quoi? Ça, Johnny Test. Je ressemble à Johnny Test. Les choses de culte, c'était gros aussi, bro. Yo, comment vous savez ça si c'était un dessin animé? C'était un dessin animé, chef. C'était quoi? Mais c'était un dessin animé, comment vous rappelez? Ok, ça flottait genre? Hein? Ça flottait? Chaque jour, puis je mettais ça sur la télévision. Je me rappelle de tout son costume. Et ouais, ça flottait. C'est quand tu vas aller te servir? Round 2. Bientôt. Combien de temps? Bientôt. La lumière, c'est même pas bonne. Oh, ici, elle est bonne. Ici, ils peuvent venir voir. Ce côté-là. Bon, je vais. Au budget, après deux tours, il sera rempli. Bro. Qu'est-ce que tu fais? Et tu vois? Parce que la seule chose pourquoi je serai rempli, c'est à cause de la boisson. Tu bois trop? Pourquoi je vais? Mon téléphone est là. Et vas-y. Round numéro 2 pour Bijou. Dégueulasse, c'est du poisson ça. C'est du poisson. Je sais pas si c'est du poulet. Ça ici. Ça là. Ça c'est quoi déjà? Du steak. Du steak? Mais ça goûte pas à la brochette là. Uh-huh. Ça goûte exactement ça. Comme c'est vraiment citron, salé, normal.
lui a reprendre ça encore. C'est bon, hein. Mais ça remplit trop vite, je pense. Ça te remplit trop. Ça, ouais. Pizza, frites, pas sushi ou crevettes parce que j'aime bien, et burger. Ok, c'est simple en fait. Un petit plat là, relax. Santé, voilà. Ça c'est santé. Ça c'est pas santé, manigue. Pourquoi t'as pris un sushi? Juste un. C'est parce que je veux aimer. La crevette avait l'air un peu bizarre. Ici? C'est quoi la sauce dessus là? Mayonnaise épicée. Ok, goûte en bas bon, en Jacques. Avale-le, 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 avale-le. Regarde ma pizza. Regarde la pizza que j'ai pris. Bonjour. Tout ça ou quoi? C'est au quoi? Steak. Au steak? Si tu vas venir, dis-le moi. Tu dis, c'est bon quand même. On doit se faire avec une sauce barbecue, voilà. Comment ça? C'est plus barbecue. Ouais, elle est bonne quand même la pizza. Pas mauvais. Ça coûte quoi le burger, Bijou? J'aime bien. T'aimes bien? À vous dire le Big Mac. Big Mac. Goûte notre doigt. Hein? Goûte. Big Mac alors? Il a dit ça coûte le Big Mac, les gars. Non merci. Ils ont juste mis la sauce Big Mac, mais ça coûte pas le Big Mac là. En plus c'est facile à faire, après c'est la moutarde, mayonnaise, ketchup et cornichon, c'est tout là. Mais c'est mal fait le bail. C'est con. J'ai aimé au moins. Lui c'est pas un picky eater, il mange tout alors. Non lui il mange pas tout, il mange pas tout. Yo, il mange pas tout. Bisous mange pas tout. Bon, s'il goûte des choses qui n'est pas bon, il arrête de le manger. Il mange pas tout, Bijou. Non, il y a une différence entre ne pas manger qu'est-ce tout. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une différence entre ne pas manger tout et une différence entre manger tout périmé, tu vois. Lui, il mange tout. Ça dépend. Non, Bijou, I need to be for real. Tu sais ce qu'on a piqué là? C'est quand tu dis, oh, je veux pas d'oignon, je veux pas de tomate, je veux pas ci, je veux pas ça, tu manges tout. Comme là, tu manges une pizza. Il peut même carrément manger la pizza au steak la bizarre. Ça, c'est bon. C'est bon. Il peut manger une sac au. Une pizza au poisson après, oh c'est quoi ça genre. Mais il va manger n'importe quoi, il s'en fout. C'est un big bag. Je cuisine quelque chose, il va venir manger. Il sait même pas c'est quoi, hein. Il va même pas demander c'est quoi ça. C'est... Mais non. Si j'ai faim, c'est logique. Alors tu fais un picky eater, t'as faim. Un picky eater, il s'en fout s'ils ont faim, il va pas manger les bagues. Tu vois, il y a une fille, elle dit elle aime pas le fromage, elle aime pas les tomates, elle aime pas les oignons, elle aime pas le lait, elle aime pas le pain. Ça c'est picky eater. Comme yo, qu'est-ce que tu manges alors? Je mange pas tout. Je mange. Je suis normal. Il n'y a pas de brochette? Je n'ai pas trouvé. Avant, il y avait des brochettes là. Genre. Non, mais quand je suis allé, il y a une place pour ça, mais c'est fini. Il va remettre après. Ok. Tu veux la croûte? Non. C'est déjà fini. Écoute. Les capuches, j'ai déjà mangé deux fois. Moi, je suis encore à ma première fois. Bijou, il est out. Il agit, là, c'est ça. Il agit comme si c'était pas out. Mais il est out. C'est ça, il commence à être rempli là. Il est rempli. Il commence à être rempli, mais je suis pas rempli. Il y a son 5/6, genre 3 quarts. Non, même pas. Impossible. Toi, il te reste combien de tours? Il te reste combien de tours? 5. Non, non, il me reste 3 tours. Un tour de fruits de mer. Okay. Un tour encore de poulet. Et un tour de dessert. Okay, allez, les gars. Et je vais vous prendre genre 4 desserts, 5 desserts. J'ai parié 2$ qu'il va finir en 2 tours maximum. Et on me défie de tout ce qu'il va manger comme. Le 3/4 de son plat où il va manger tout son plat là. On me défie. Deux plats. Et pas des plats, une pizza, des frites. T'as fini? Tout le bain. Comme le bain est rempli au complet. Si mais t'as max 2 tours encore. Bro. Max 2 tours. Non, tour, fruits de mer. Tour, fruits de mer,
tour poulet, tour fruits et tour dessert. Il me reste 4 tours. T'as pas, oh, pas de fou. 4 tours. Il te reste pas 4 tours. Il te reste pas 4 tours. Il a dit il reste 4 tours. Non, impossible. Je me teste. Je te teste. Je te teste. Je te teste. Pour te teste. Fais que manger là. Le cas va exploser. Pourquoi on regarde? Non, on mange, on réfléchit, on se relaxe. On mange, on réfléchit, on se relaxe. On est au buffet à volonté, man, on fait que manger. What? T'as dit quoi, Bijou? Tu vois, je tombe KO le prochain plat. Imagine la scène, ok? Tu manges? Bijou, remets-toi! En plus, tu te rappelles la fois qu'on est venu au buffet? Quand tu t'es rempli, bro? T'arrives plus à marcher, bro. J'arrête comme ça, je dois rentabiliser. Bro. Ok. Essaie de faire. Que tu arrives à ce niveau-là, que tu n'arrives plus à marcher, mais fois deux. Si tu voulais, je mange encore, mm-hmm. Je vomissais. Tu vomissais? C'était trop. Bien. Viens. Tu viens péter. Quoi? Tu viens péter. Comment ça? Je sens. Vous c'est quelqu'un ici? Mais je suis fatigué, beau. Tu vas, attends. Faut te reposer, chef, faut te reposer. La bouffe est là. En plus? On peut quitter ici à la fermeture, hein. On peut rester ici pendant 4 heures, les gars. Le buffet à volonté, il... Je pense qu'il dure 4 heures, 4 ou 5 heures de temps. Donc là, on peut rester ici jusqu'à la fermeture si on veut. On peut rester ici, se reposer, être sur nos téléphones, vibrer, être tranquille. Et quand on a faim, on va manger, on revient. On va manger, on revient, on va manger, on revient. Et puis, c'est l'heure du... Ah, mais on peut prendre le dessert quand on veut, non? Il n'y a pas d'heure de dessert. Parce que c'est le moment pour nous de prendre le dessert selon nous. On va prendre le dessert, on mange, on relaxe, après on vient à la table, on finit, on sort. On n'a pas à se presser, bon, c'est à volonté, bon, on est là pendant 4 heures, 5 heures, bon. Fatigué, bon. Je suis en train de nap, bon. Vas-y, fais un nap. Prends un nap. Dors un peu. Attention à l'eau derrière toi, hein. Attention. Oh, je suis fatigué. Tu n'as pas compris, je suis bugué. Je sais, j'ai compris, tu bugué. La live, pour une mise à jour. Tu sais comment je fais une mise à jour? Non, j'ai pas envie. Ben, je te fais une mise à jour. Arrête ton pantalon là. T'as besoin d'une mise à jour. Yo, tu sais ce qui me fait rire, bro? C'est genre, tu portes mon pantalon à chaque genre 10 minutes. Comme tu te rends compte à chaque 10 minutes, genre. Parce que t'avais oublié mon pantalon, non? T'avais oublié, non? Tu sais que le buffet, pour être rentable, il donne beaucoup d'eau. C'est moi qui t'ai dit ça. Il y a une vidéo TikTok après. Ah ouais. Les buffets à volonté. Comment il faut pour rentabiliser, c'est qu'ils donnent de l'eau. Non, ça c'est une des techniques qu'ils utilisent, mais ils donnent beaucoup d'eau aux gens, tu vois, qui sont là, pour les forcer à boire de l'eau. Parce que quand tu bois de l'eau, tu te remplis plus vite. De l'eau. On a tous de l'eau ici. Plus on boit de l'eau, plus on sera rempli, plus on aura envie de moins manger de bouffe après. Et plus de bouffe aura le buffet. Là maintenant, qu'est-ce que t'as pris, s'il te plaît? Présentation. Aile de poulet. Aile de poulet et steak. Le charbon, oh. Que moi-même j'ai fait. Toi-même tu l'as fait? Attends, j'espère qu'il est bien parce que j'aime pas quand c'est saignant. Vas-y, j'aime goûte. Quand c'est Parfaitement cuit. Ouais. Well done. Il est saignant ou pas? Un peu? Un peu, mais ça passe. Ça, c'est pas saignant, c'est genre. Découpe-le en deux, moi si je vais en prendre un. Un peu saignant. Tu peux aller en faire, hein? Ben ouais, ben juste pour goûter quoi. Comme ça, tu peux le couper en deux. Oh, toi, t'as abusé! T'as abusé! Ça va? C'est pas mauvais non plus? C'est pas mauvais, Bijou? Après ça, je prends une vraie pause. Une pause de combien de temps? Je vais juste prendre des fruits. Tu dis quoi? Deux maximum. Moi, j'ai fait un tour en passant, hein? Là, je vais faire mon deuxième, là. Moi, je mange clean. Chaque fois que je ça mange, ça me remplit bien. Yo, ton plat est tellement aléatoire, bro. Il y a de la viande, il y a de la pizza. Un sushi. Un sushi, bro. Yo, aléatoire. Mais je suis juste les légumes. Bon, là, c'est mon tour, là. Je vais aller me servir maintenant, les gars. Je vous amène avec moi. Puis on va... Quoi? J'aime pas les huîtres. Ah non, on a mangé ça quand on allait manger les fruits de mer, là, non? C'est quand même... Ça va. C'est quand même bon. Qu'est-ce que tu fais? Yo, arrête de te déconnecter là. C'est vraiment tu fais une mise à jour là, une vraie mise à jour. Purée.
se dégager comme ça là, ça me fait peur. Ça va, bisous. Oh, mon ventre. Bon, tu vas manger, c'est que tu peux plus marcher, bon. En fait, à la maison, tu dors directement jusqu'à demain. Ça va être comme ça. C'est parce qu'on n'a pas mangé depuis le matin. Parce que mon ventre sera petit. Ça me délaisse. Parce que j'ai encore faim. Mais je peux plus manger. Vous êtes reposé. Bon, la lumière est tellement pas bonne quand je reste ici. Quand je reste ici, la lumière elle est bonne. Donc, les gars, moi je vais pour mon deuxième tour. Bijou est à son quatrième tour là. Qu'est-ce qu'il fait, vous? Oh, c'est ici? Ok. Je veux le faire pour toi. Ok. Tu veux combien? Ah. Il a dit quoi? Moi je peux pas le faire. Ok. Je peux pas le faire. Ok, grave, grave, grave. C'est la première fois que je fais ça, tu sais? C'est la première fois que je fais ça. Bien. Si tu peux pas remettre papa. Il a dit quoi? Si tu peux pas remettre papa. Tu as dit quoi? Je me prépare à être papa. Ouais. Donc tu sais que j'ai l'âge d'être papa là. Mais tu te prépares pour être papa, genre parce que les papas qui font ça. Mais ça sent bon, bro. T'as fini là? Ouais. C'est ton record là que tu veux faire. T'as fini ma job. Quelle viande tu veux? Bon, ça, c'est des burgers, hein. Tu veux un œuf? Je ne sais pas. Tu veux ou tu ne veux pas? Ouais. Ok. Tu veux papa? Tu veux papa, hein? Mais je pense que je suis déjà papa. C'est mon fils, beau. Ça fait un peu? Ah, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Ça va être bon là, non? La pâte ici. Oui, oui. Tout à l'heure. En vrai, j'ai pas de préférence, c'est en bien cuit ou non. Mais... Voyez ta caméra tombe sur le grill. Elle tombe? Tu fais quoi? Je mets ma main dessus. Bon. C'est le grill, je m'en fous. Oh! Tu parles quelle langue, bro? Mégaphone, téléphone, Gino. Comment ta gueule, comment ta gueule, comment ta gueule. Oh, monsieur la vidéo, tu vas raconter mon rien. Quoi? La vidéo que je dis ça. Ok. Je sais pas de quoi il parle, mais bon, je vais dire ok. C'est vraiment pas de quoi tu parles, bro. Je suis un peu occupé là, bijou. Nacho, Alejandro Game Nacho. Mégaphone, téléphone, je ne veux plus vous faire. Pourquoi? Mais je suis avec lui, monsieur. Mais c'est ma responsabilité. On se calme, c'est moi qui est responsable, ok? C'est moi qui est responsable. Je comprends. Mais est-ce qu'il y a un âge limite? Ouais, je pense. Il laisse pas les petits, même lui, il a pas laissé. Mais oui, mais est-ce que c'est écrit quelque part? Non, c'est pas écrit nulle part. Il peut dire qu'est-ce qu'il veut, mais... Non. Il crash out, bro. Bien, on crash out, bro. That's crazy, bro. Il est en crash out, bro, yo. Je comprends. Les gars, le bouc a dit que son enfant n'a pas le droit de toucher au bail. Il a commencé à crash out, il a commencé à crier sur lui. C'est ça. Si vous allez accepter pour tout le monde, votre cœur va arrêter, monsieur. Juste pensez à vous. Ouh, ouais. Well done, bro. Amen, amen, amen. Vous avez dit que les films ne sont pas vraiment bonnes. J'espère qu'elles sont bonnes. Regardez mon plat, comment il est clean. Je
ça comme ça. Un peu de salade, ça va pas faire de mal. Je vais vous montrer mon plat, ok? Ah, c'est ce genre de plat là qui coûte 100 balles, ok? Dites-moi oui ou non, ok? Il y a toujours une salade à côté, un peu de frites, et là ça. Ouais. Voilà, chaque sponsor. Mais la viande là, je sais pas ce qu'il met dedans, mais juste pour une viande steak, 50 dollars. Ouais, c'est ça que je pensais, bro. Juste un plat comme ça, c'est 50 dollars. On parlait d'un restaurant bijoux, en fait d'un resto, un plat comme ça, c'est 50 dollars. 50 balles. C'est quoi le pire? Sel, poivre. C'est ça, sel, poivre, c'est tout. Moi, comment ça tu dis non? C'est pas moi. Mais ok, moi, mais on dit la vérité. C'est ça la vérité, c'est vrai ou faux? Quand on va dans un resto, un plat comme ça c'est 50 balles. C'est comme ça. Et je peux le vendre à 50 balles? Restaurant, oui, mais moi je peux pas payer ça. Ouais, jamais, oh là là. Ok, mais si on va dans un resto, tu vois ça, tu vas payer ça. Dès que tu vas rip, steak, comme ça c'est 50 dollars minimum. C'est ça, 50 balles minimum ça. C'est sucré, hein. Non, non, non. Non, mais c'est de l'eau et bois. Finalement, ton ventre il est mieux ou pas? T'es plus déconnecté là? C'est à cause de l'eau. Comment? Ça m'avait rempli. Là, je suis dérempli. Là, j'ai faim. Ah, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, beau? Yo, peur d'éternuer, quoi. Vous voyez bien, là, les gars? Là, il va couper. Ouais, tu me montres la cam, c'est moi. Merci, merci Bijou. Eh, les gars, grosse dédicace à Bijou. Pour la première fois toute sa vie, il a accepté de prendre la caméra pour que je coupe mon steak devant lui. Regardez mon plat, les gars. Je ne suis pas caméraman. Ah, attends, mon fils. Je ne suis pas caméraman, mais je le fais. Par amour. C'est pas son anniversaire. Je le fais. Continuons. Tu n'es pas caméraman. Tu n'es pas caméraman, mon fils. Tu n'es pas caméraman, t'inquiète. Donc, on va y aller. Je vais couper un peu ça, manger après. Là, je vais laisser Bijou aussi manger s'il veut un peu. Ouh, bien, bien cuit. Il va? Ouais, il est bien cuit en plus. Regardez à l'intérieur. Check mon épice ici, on va déguster. En même temps? Non, tu vas le prendre après. Check mon épice. Je vais le goûter, après tu vas le goûter. Je ne suis pas caméraman. Je ne suis pas caméraman. Je ne suis pas. Non, Bijou. Ah, non, Bijou il est drôle, hein. Non, Bijou il est drôle, hein, les gars. Après, ils vont encore retourner à la caméra. Je ne suis pas caméraman. Je ne suis pas caméraman. Bon, ok, on y va. Waouh! Bon, attends, Bijou, goûte. Prends ton couteau. C'est bon, quand même. Je ne suis pas caméraman. Je sais, mon fils. Tu n'es pas eu de formation pour être caméraman. Pardon? Je ne suis pas allé à l'université pour être caméraman. Tu n'es pas allé à l'université pour être caméraman? Je te comprends, mon fils, je te comprends. C'est bon? Mais c'est trop salé. Un peu trop salé. Mais ça, c'est l'assaisonnement que le monsieur met. Ouais. C'est le buffet qui met l'assaisonnement. Ça, c'est pas nous. C'est un peu trop salé. Le goût est sinon, c'est bon, non? Bien cuit aussi. Mais c'était meilleur que le mien. Ouais, le tien était un peu saillant. Mais il était bon quand même, ça passait, selon moi. En plus, le goût charbonné est bon. Ouais, c'est ça que je dis, bro. Il y a un goût charbonné derrière là. Allez, 30, je recommence. Il est quelle heure là? 7h05. Il est 5. Donc, Bijou a fait 5 minutes de pause là. Ça fait quoi pendant ce temps? Qu'est-ce que tu fais? Comme ça, tu peux. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Oh, il lag là. Non, putain de merde. Ah, oh, je me suis lagué. T'es là? Ah, ah. J'espère qu'il n'y a pas de mise à jour à faire là. Hein. Bon, il lag, bon. Il y a une mise à jour à faire. Il y a une mise à jour. Oh. Tu lag plus? Ok, arrête de lag là. J'ai envie de cocktail. J'ai envie d'une soirée un peu arrosée, tu comprends? Bijou a fait une dinguerie là. Bijou a fait une dinguerie. Il est allé voir les serveurs ici pour leur demander s'ils ont un cadeau spécial pour les anniversaires.
Et là maintenant, le monsieur a dit oui. Après, il a dit c'est mon anniversaire. Je sais pas pourquoi il fait tout ça. J'ai dit c'est bon, calme-toi. Là, le monsieur a dit ok, ils vont plutôt amener le gâteau ici. Je sais même pas qu'au buffet, donner des gâteaux pour c'est les anniversaires. Tu as crié? Yo, tu ne dis rien. Le gâteau vient ici, on le mange, on se casse. Quoi? Non, on te chante. Non, on va donner, on va dire, oh, il est beau, on reste ses cheveux, je vais me lever, on dit, goofy ass, bro. Look at that goofy ass. Pourquoi t'as poussé chaud? J'ai plutôt la fin de ma pause, en 10 minutes. En 10 minutes? Bizarrement, il commence à avoir plus de lumière ici. Imagine, tu fais ta demande de mariage ici. Moi? Oh my god, j'ai refusé. Tu dois aller dans un truc plus... Rare. Manigue, quand t'es venu ici pour la première fois, t'as pas dit c'est rare, c'est une fois à volonté, voilà. Donc, non, quelqu'un qui habite à Toronto qui vient ici, ça peut être un endroit rare. Un endroit où on mange à bouffe à volonté. En dessous de Paris, ouais. C'est ça. Non, non, en fait, non, je pourrais être venu ici. Il y a la fausse Tour Eiffel ici. Je refuse. bonne fête, Junior. C'est à ton tour. Pour la slush ou pas? Qu'est-ce que slush? Non, laisse. Garde ton argent. J'ai plus d'argent. Pas non plus, oh. Oui. Pas salade. C'est ma pause, c'est ma pause. C'est une salade? Je suis au régime. T'en manges juste un? Juste un. C'est bon pour la santé. Tu parles de Yab, s'il te plaît. Pourquoi tu Yab autant? Imaginez, vous êtes dans la rue, vous trouvez 10 000 dollars, vous faites quoi avec ça? Moi? 10 000 dollars. Dans la rue? Mais tu sais, t'es obligé d'aller le donner à la police, t'es obligé. Moi, ce sera un cadeau du ciel. Mais t'es obligé d'aller le donner à la police. Si la police m'attrape, il m'attrape, mais c'est un cadeau du ciel selon moi. Ok, mais si la police t'attrape pas, s'il n'y a aucun risque. Écrivez, quoi? Sérieux? C'est ça? On dirait vraiment que t'es dans un restaurant de luxe. Pour ouais. Elle a dit je fais genre. Je suis dans un restaurant de luxe là. Ouais. Je vais le montrer là parce que je sais pas si vous voyez. Oh, rien quoi. Regardez. Plus, c'était mon gros, c'était plus de moi. Non, je vais faire, mais t'auras rien. Oh. Bonne fête Junior, bonne fête bonne fête, bonne fête Junior. Yeah. Alors t'es content là hein? Si, fais ton vœu. Mon vœu? Ouais. Bah, oh, il s'éteint un bon. Mais fais ton vœu quand même. Mon vœu? Je vais faire un vœu, ok? Un très beau vœu. T'as pas le droit de le dire. Mais fais ton vœu, tu... C'est mon vœu, bro. Pourquoi tu me presses, bro? Attends. I need to get rich. Yeah, j'ai fait mon vœu. Ben, y'a même pas de feu là, mais ouais. J'ai tellement de goûter. Est-ce que tu me l'as fait? Laisse. Oh, c'est... Oh non, c'est coco. C'est quoi? Oh, c'est les bains Ferrero Rocher. C'est de la crème glacée. For real? Ah non. Laisse. Partagez. Bizarre. C'est bon ou pas? C'est très bon. What is that? Ok, mange comme tu dis, je crois que c'est bon des cornets de crème glacée. Je sais pas la crème glacée, c'est de la crème à la noix de coco. Crème à la noix de coco? Mais comme ça passe? Imagine comme si ta souris après la souris des tressants.
Et il y a des gens qui tombent sur la soirée de Junior, resté de luxe. Oui, les gars, comprends-moi, les gars. Dans sa story là, c'est toujours bon qui est au bout. Moi, c'est clean, bien travaillé. Elle avait pizza. Moi j'ai bien travaillé, j'ai tout cleané là. J'ai fait en sorte que tout soit clean. Ça, c'était ghetto, vous. Quand imaginez, il y en a qui sont sur ma story à moi, clean, et après ça se ferait à elle. Vous vont dire, what? Ça, c'est la story à Trésor, vous. Mais les gars, ça, c'est la story à Trésor, regardez ça. Regardez comment c'est ghetto. Yo, comparé à moi. Elle, c'est complètement ghetto, vous. Ma cause est finie, vous. Elle se va manger encore. Merci. Les gars, on vient de repayer une belle boisson là parce que j'avais soif. Ah, j'aime pas ça. Tu as volonté. Vas-y, prends. On dirait la bouche de coco des Ferrero Rocher. Elle est plus ronde parce que genre, je l'ai un peu écrasée là. Non, j'ai cru que c'est du chocolat. Non, c'est bouche de coco. D'accord. Ils ont fait un gâteau avec tout ce qu'il y a là-bas. Ils allaient se mélanger les beignes ensemble. Ok. Coulis du chocolat. Donc ça, je peux le trouver là-bas. Ça, tu peux le trouver là-bas. À goûter ça. Merci. Okay. C'est trop salé, je peux pas manger ça. Passons au side. Les autres, il faut qu'ils prennent un, après deux. Ben, au moins, c'est pas un gros. La viande est posée. C'est la carcasse. Oh, ça, c'est tellement bon, nana. Quoi, déjà? Le regard. Ok. Pourquoi, nana? Pas nana. Moi aussi? Non. Est-ce qu'ils ont des mangues ici? Ils ont des mangues? Non. Ça. C'est mon fruit préféré. Ils ne sont pas le meilleur fruit ici, bro. Oh. Un des meilleurs fruits. Wow. Un des meilleurs fruits, je l'ai dit. Non, j'ai beaucoup de monde. Yo, c'est des fruits modifiés. C'est trop bon pour être vrai. Même ça, c'est trop sucré. Tu veux pas aller te servir? Non, là, tu bouges même pas. Tu bouges même pas, tu te reposes. Tu ne bouges pas. Ah, viens ici. Viens ici avant que je crie. Ah si, merci. Wow! Ah! Oh non, il n'est pas parti, il n'est pas parti. Espèce là. Il est vraiment parti en plus. On va où? Fini avec la bouffe là. Non, pas d'aile de poulet, c'est fini. T'as fini avec la bouffe. Tu es mon corps. Tu touches plus aux ailes de poulet, tu touches plus à la viande, beau. Là, tout ce à quoi tu touches, c'est les desserts maintenant. Tu es plus enfant. Tu es plus enfant, mais c'est bon. On ne décide plus pour moi. Tu as explosé là. Eh mais oui, tu commences ça, non, ça... il y a des limites. Eh, du poulet. Attends, prends-en, j'en prends une. J'en prends une avec toi. Juste une. Nyeh. Vas-y. Parce que mon ventre est un peu biggie. Ah ouais. Oh. Un peu. Juste un. Prends-en une pour moi aussi. Vas-y, viens. Donc les gars, voici ma crème glacée, regardez ça. Regardez comme elle est belle. Mais apparemment... C'est aile de poulet. Oh non, fais pas ça. Crème glacée et aile de poulet. Il y en a une à moi, hein. On en a une chacune. On va prendre ça après. Donc là les gars, apparemment le cornet il est pas bon. Trésor a dit qu'il est pas bon. Il est en train d'en manger un là. Ah, voilà. Ça fait 3 heures qu'on est ici. Go. Bienvenue en Afrique. J'ai mal au ventre. Hey, ouvre pas la fenêtre, hein. Mets pas les écouteurs. Ah, ok. C'est la caméra. Bonne fête. Merci. Check ça. Yo, si toi, le petit gars ou la petite fille qui regarde la vidéo, 10 ans plus tard, 8 ans plus tard, 8 ans tu peux commencer à regarder des vidéos YouTube, je pense. 8, 10 ans si tu vois la vidéo, bro, ça va, j'espère que tu vas bien, hein, j'espère que tu vas bien, ton père aussi va bien. Qu'est-ce que tu fais, Bijou? T'arrêtes, je pense qu'il a, les gars, je pense que la fin est en train de monter à sa tête là, donc là, il a l'air un peu. Yo, bouge pas, t'as l'air de robot, bro. Yo, what the fuck? T'as l'air de robot, bro. C'est la fin, les gars, donc. Tu vas encore manger, oui ou non? Oui, on se repose parce que Trésor, les gars, elle est passée à la voiture. Elle nous a laissé tomber là. Elle a dit que c'est bon, elle est fatiguée. Elle a assez mangé, elle va aller se reposer dans la voiture, dormir un peu.
Et puis moi on a dit qu'on allait rester ici un peu. Soit se reposer et manger après, soit juste tu vas prendre un petit dessert encore de plus et aller à la voiture quoi. Ah bon moi je suis plein, je suis fou. J'ai envie de blesser pour moi. J'espère juste que quand je rentre à la maison la connexion ne bug pas. Ça peut te fêter moi avoir la rage peu. Bon. Fais une vidéo. Wesh. C'est un pote à Bijou qui a dit à Bijou de me dire joyeux anniversaire mon fils. Mon fils, tu vois la vidéo, bro, c'est toi mon fils, bro. C'est toi mon fils. Et en plus tu peux rien dire parce que t'es derrière la caméra. Tu peux pas répondre. T'es mon fils. My son. T'as fini? Oh, regardez la file, bro. What the fuck? Imagine arriver au buffet à cette heure-là. Regardez cette file-là. Elle commence dehors, bro. Jusqu'à l'intérieur. C'est impossible, bro. Ouais, donc voilà pour la vidéo pour mon anniversaire. On a fait la même chose l'année passée, mais un peu différent. Parce que l'année passée, on était allé dans un centre commercial, se promener, jouer aux échecs. Je me rappelle, on a joué à un jeu d'échecs géant là, avec un random. Après ça, là, on est allé au buffet, celui-là, manger. Yo! Trésor! Il fait froid! Ouvre la porte! Qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il faut prendre le bus. Ouvre la porte! Avant de rentrer, Prends les piques. Ok, donne la clé. Il va te prendre les piques, là. Donne la clé. Je suis pas dedans, non. Donne la clé! Vision va te prendre les piques, si tu veux, mais... J'ai trois piques. Et ça reste toi que je suis entre les trois ici, genre... Vas-y. Va lui prendre des photos, allez. Allez, go! Hop. Vas-y, non. Hop. Hein? Ah, j'ai plus mon glace, pas grave, donne-moi ça. Vas-y, prends des photos. Prends des photos. Grâce à tête, beau. On l'a forcé. J'allais dire, on dirait qu'on l'a forcé, mais au fait, on l'a forcé, au fait. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris de photos. Pour Instagram ou quoi que ce soit, bon, j'en prends tellement plus de photos. Mais quand je prends des photos, là, je vais en mettre sur Instagram, les gars, il y avait tellement fire, bro. Comme je vous dis en même temps, bro, je vous dis en avance à vous, qui êtes encore dans la vidéo jusqu'à présent actuellement, les prochaines photos que je vais poster sur Instagram, parce que ça fait en plus longtemps que je ne suis pas posté sur Instagram. Ma photo sur Instagram actuellement, là, c'est une photo un peu bizarre, là, devant un miroir, là, whatever, mais bon. Ma prochaine photo sur Instagram sera tellement fire. Oh, purée! Oh! Juste en y pensant, bro, je suis enflammé, là. Appelez les pompiers, les gars, je suis enflammé, là. Oh! J'ai dit que je suis enflammé, comme je suis en feu. Appelez les pompiers pour moi, vous avez compris? Yo, on ouvre pas la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Yo, regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il a? Regarde-moi. Montre. Regarde-moi. Je vois ça, je vois ça. Bisous. En tout cas, bisous. Ah bon? En tout cas, je regardais la photo, j'ai pas encore vu. En tout cas, avant bisous. Bisous, il faisait de belles photos avant. Je sais pas ce qui s'est passé. On va voir. C'est le pire. Ça c'est un des pires, bro. Toi t'es fort, bro, yo. Elle a la bouche. Elle avait la bouche ouverte comme ça. Et tu dis que c'est une bonne photo, bro. Ah oui, cher. Je pense c'est parce qu'il est rempli, bro. Il est trop rempli. Il a sommeil. Cher. Ah, ça prend du temps, hein. Attends. Vous êtes dehors, ça fait genre 5 minutes, bro. Vous avez juste ça. Arrête, ça c'est beau, non? Merci. Ça c'est beau. Regardez-moi ça et dites-moi que. En fait, non, je n'ai même pas envie de vous montrer ça. C'est ça, je n'ai pas montré. Elles sont juste pas ouvertes. Je ne sais pas prendre de photos. Avant, il était un bon photographe, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dégradé durant les années. Parce que faut s'attendre. Non, c'est les mêmes attentes. Non. Avant, il était beau photographe. Bon, reprends ta formation de photographie. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais yo, t'as lâché les cours. Depuis que t'as grandi là. Tu m'as dit de prendre les intersections. J'y prends les intersections. Et elles sont moches. On refait. Yo, on t'en passe. Bon, juste là, mais c'est là devant. Sois en bon devant la maison. C'est en train de faire du plus belle pose. Là, c'est pas ma faute. Yo, tu sais très bien. Tu sais bien que c'est le photographe qui fait la photo. Pas le mannequin. Si. Écoute, ok. Tu vas reprendre des photos après, ok, devant la maison. Comme devant la maison. Devant chez nous. C'est un bon spot. Un truc. Ah, écrire dans les commentaires, bisous, pour montrer qu'ils sont restés jusqu'à la fin. Un truc. Poulet, frites. Bijou, t'es un photographe. Ah, il veut écrire ça? Ouais, écrivez ça. Écrivez photo. Photo ou bijou, t'es un mauvais photographe. Un des deux.
Comme ça, on va savoir que vous êtes resté jusqu'à la fin. C'est tellement un beau photographe. On peut me payer. Yo, avant, il était tellement bon, bro, mais maintenant, bro. Yo, on dirait, c'est genre, avec le temps, bro, ils sont fous maintenant. Il est juste pas locked in. Il est pas locked in. Il est comme, ils sont fous. Avant, il faisait des belles photos comme ça. Quand tu vas me dire si c'est beau. Non, si c'est beau, si c'est beau, c'est que je suis un bon photographe. Attends. Je veux pas montrer la caméra parce que c'est comme c'est parfait. Oh my god, qui a fait ça? C'est beau, hein? Non. C'est beau. Les virages. La cinématographie. C'est original.